Et salut à tous, c'est moi, c'est Redbone, je suis de retour pour vous présenter le nouveau mode Insurrection dans Overwatch qui est sorti hier ou avant-hier, je sais plus, aujourd'hui, peut-être, je sais pas, par rapport au jour où on est, j'en sais rien. Enfin bref, surtout par rapport au jour où on regardera cette vidéo. Enfin bref, il est sorti entre le 10 et le 12 avril, qui, si je me trompe pas, se passe dans les événements qui sont ultérieurs à Overwatch présent, de 7 ans, je crois, 7 ans en arrière, c'est ça, il me semble, hein, si je dis pas de conneries. Donc un nouveau mode qui se joue en arcade par contre, bon, comme dans tous les événements d'Overwatch, nouveaux costumes, nouveaux emotes, tout plein de trucs, nouveaux trucs, mais c'est un... Donc c'est un mode qui se joue en arcade et surtout c'est un mode qui rappelle celui qui est sorti pour Halloween. Donc c'est-à-dire que c'est contre l'ordinateur qu'on va se battre aujourd'hui. Et voilà, je voulais juste vous faire une petite vidéo vous présentant. Et si vous êtes gentil, je vous ouvrirai peut-être les 10 coffres. C'est comme ça m'a pété, je me suis dit pris, allez hop, on va prendre 10 coffres, quitte à avoir les costumes. Donc oui, là c'est le costume, vous voyez le costume de... Le nouveau costume d'Anna pour l'événement, hein. D'Anna d'Orange, excusez-moi, oula. Et bon, bah, ils en ont plusieurs, hein. Vous avez par exemple, vous avez celui de Genji, juste là, hop, attendez, Blackwatch, voilà, nouveau costume de Genji. Donc maintenant c'est officialisé, hein, il était pour le Blackwatch. Enfin bref, je vous ferai peut-être un petit montage de tous les nouveaux costumes qui sont sortis. Hello monsieur, la cavalerie est arrivée. Oui, non, mais tais-toi. Donc, ouais, le nouveau costume de Tracer. Ouais, voilà, je vais vous faire un petit montage vous montrant tous les costumes des héros. Donc, c'est parti. Une petite partie pour vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais faire une partie. Donc, vous avez le choix entre tous les héros. Donc, vous pouvez choisir le héros que vous voulez. Ou la partie JCE Insurrection. Où vous avez les trois héros. Les 4 héros sélectionnables par le PC, c'est-à-dire que vous avez Reinhardt, Thorbjorn, Ange et Tracer. Alors c'est un lien direct avec la BD qui est sortie il y a, ben, la semaine dernière. Donc c'est la même histoire, c'est l'histoire de l'insurrection qui se passe à King's Row. Donc si vous n'avez pas lu les BD, au minimum c'est expliqué à peu près dans, justement dans le mode où vous avez une petite vidéo qu'on va lancer de suite. Et heureux les amis, ça y est, nous avons enfin trouvé une équipe. Une équipe ! Ça y est ! Enfin bref. Donc écoutez bien tous les dialogues. 20 ans après avoir gagné la guerre contre les Omniacs, nous étions toujours loin de vivre en harmonie. La construction dans Londres d'un nouveau foyer pour les robots devait constituer le premier pas vers une amélioration des relations entre humains et Omniacs. Mais l'espoir fut de courte durée. Les extrémistes du secteur 0 ont attaqué King's Row par surprise. Ils ont pris le contrôle de la zone et causé des centaines de victimes, des milliers de déportés. Maintenant, les robots pourchassent les derniers survivants. Nous sommes peut-être à la veille d'une nouvelle guerre entre humains et Omniacs. Nous devons tout faire pour l'éviter. Le commandant Morrison a envoyé son équipe d'élite libérer la ville. C'est ma première mission et ma seule chance de sauver mon foyer. Pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Donc voilà l'histoire simple. Donc je prends Tracer personnellement, hein, parce que je ne sais jouer ni Ange ni. D'accord. Bande de salauds, vous êtes barré. Bah on va attendre. Allez, on se retrouve à tout à l'heure. Hein. Donc nous voilà. Ta gueule, Morrison. Donc nous voilà pour. C'est ta chance, ma soeur. Ça y est. Montre-moi ce que t'as dans le ventre. Merviant, ma soeur. Bonne chance, agent. Voilà. Donc oui, on a des petits dialogues qui font bien plaisir entre les héros. Donc voilà. Chacun d'un drone utilisable pour pirater ses défenses. Ta gueule, laisse-moi parler. Oh. Ici le capitaine Amari. Le premier canon anti-aérien se trouve à l'angle. Reinhardt, évite de foncer tout seul dans le tas. Si ça m'était dépassé par l'esprit, capitaine. Mais on sait que c'est vrai. Donc voilà, on se bat contre des unités zéro, c'est-à-dire les insurgés. Restez près du terminal jusqu'à la fin de l'opération. Qui ont attaqué King Frao? Le secteur zéro approche de votre position.
Et pourquoi je vous montre celui-là? Enfin, je ne vous ai pas montré Halloween. Tout simplement parce que celui-là a un rapport avec l'histoire d'Overwatch, tandis que Halloween c'était le règne pour les vêtements, on était bien d'accord. Hein. Donc je trouvais sympa de le faire, et puis je trouve le mode du jeu très sympa. Ça prouve qu'ils sont capables de faire quelque chose hors que le mode deathmatch de bordel, quoi, hors le mode compétitif. Et ça le mérite d'être montré, quoi. Qui a dit que je m'inquiétais? Personne. Et t'as oublié de faire tes lacets. Mais je n'ai pas de lacets à mes chaussures. Je vous avoue que celui-là, c'est la première fois que je l'entends. Donc oui, il y a plein de petits dialogues à la con entre les personnages comme ça, c'est vraiment sympa, je trouve. Donc le jeu se fait la partie se fait en trois phases. Donc la première phase, ça sera le piratage. La deuxième phase, ça va être la protection de convoi. Et la troisième phase, ça sera des cibles à tuer. Tout simplement. Allez, on y va. Un de moins, encore deux. Exactement ce dont le monde avait besoin. J'espère que le son sera pas trop foiré quand même. Oh yo, ça me fait chier. Piratage en cours. Les canons devraient bientôt être désactivés. Je détecte de nombreux omniacs qui se rapprochent de votre position. Ah! Est-ce pas 30 secondes? Voilà. Oui, heureux, donc j'ai baissé un peu le son parce que ça me semblait un peu fort pour moi dans les oreilles. Donc c'est reparti. Cette position vous rend vulnérable. Kingsrow, les robots, Tracer. Mes copains, auto cassé, moi qui te dé. Allez hop, on n'a même pas le temps d'intérieur. Évidemment. Ah, oh, mais Reinhardt, on a commencé un peu quand même bien. Non. Non. Voilà, les deux. Bon, je vous rassure, hein, y a pas toujours les mêmes robots. Hein. Ils se trouvent dans la cathédrale, au bout d'un moment. Ouais, par exemple, vous avez déjà ceux-là, les nouveaux. Ça, c'est les premiers que vous allez rencontrer. Les deuxièmes que vous allez rencontrer. Le premier étant les monstres de base. On détecte de nombreuses troupes du secteur 0 se dirigeant vers vous. Voilà. On bat pour toi. Oh oh oh. Je prends cher. Coup d'huile. Merci. Alors, vous t'en êtes pas du problème, hein. Vous savez très bien au niveau sur Overwatch, les gars. C'est pas non plus. Comme je me suis un peu entraîné avec des nouveaux personnages, hein, depuis le temps, quand même. Faut dire ce qu'il y a. Mais non, je suis toujours aussi mauvais. Hein. Toujours, toujours. Peut-être qu'un de ces quatre, je vous sortirai une. Trop de délire. Un montage sur tous les temps forts que j'ai fait. Rien que pour délirer. Voilà. La bombe qui a servi à rien. Un peu de heal. Thanks. Not made man. On en est où? Ah bah voilà, ça c'est tout seul. Allez hop. Deuxième phase. Rendez-vous sur la place. Livraison en cours. Espérons que ces canons soient désactivés pour de bon. Mission sera finie plus tôt que prévu, autrement. Salutations. Projet. On voit activer lancement de la séquence de démarrage. Il va falloir quelques minutes pour qu'il soit chargé. Vous croyez vraiment que ça va marcher? Évidemment. C'est moi qui l'ai fabriqué. Ça inspire confiance, pas vrai? J'avoue. Les unités du secteur 0 à 3. Ah, et voilà. Bah pour moi c'est vraiment la partie la plus chiante parce que c'est long. C'est quand même 4 minutes à attendre autour d'un point. Attention aux laserateurs, ils ne sont pas très résistants mais leurs attaques sont dévastatrices. Oui. Allez, couchez.
Et voilà. Vous voyez, il y avait juste besoin d'un petit préchauffage. Putain, les dialogues à la con, quoi. Il est prêt à avancer? Pas tout à fait. Ouais. Pas du tout, en fait. Préparez-vous à une nouvelle vague d'attaque. Oui. Vas-y. Voilà. Ah oui, ils sont chiants. Non. Non. Oui. Non. Oui. C'est bon. Voilà. Voilà. Ça fait. Putain de détonateur. Pam 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 pam. Voilà. Je suis trop fort. Je suis trop fort quand je viens. Faut que je me calme. Je suis mort. Ouais. C'était quoi ce bruit? Un simple petit pépin. Ouais. Qu'est-ce que tu entends par petit pépin? C'est trois fois rien. Défendez le convoi. Il a juste besoin d'un peu plus de temps. Tâchez, croyez-moi. Oh, bastion. Enfin, des bastions, des unités bastions. Hop. 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 Comme la grenouille. Hop. Hop. Oui, pour moi, Tracer est une simple grenouille. Hein. Faut pas rêver, vous avez vu les jambes qu'elle a. Je sais pas crever avec une bombe. Là, c'est quand même une multiple claque. Scorpion, on en est où? Générateur opérationnel. Système de propulsion en cours de démarrage. Encore quelques secondes. J'espère. Empêchez-le d'approcher. Éradicateur repéré. Faites attention. Détonateur de mer. Voilà. Oh, c'est con. Voilà, ça suit tout seul. Ça sert à rien. Pas trop de même. Tant de taré. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit jusqu'à la centrale électrique? Une fois sur place, ce sera à toi de jouer. Tant. Donc là, vous reconnaissez bien escorter le convoi. Hein. C'est je comme. Passe le relais au commandant Reyes. Terminé. Ah oui, Reyes. Mon amour. Ici Reyes. Les derniers rapports de Blackwatch sont état d'une présence massive du secteur 0 dans la centrale. Attendez-vous à tomber sur des unités 0, des éradicateurs, des bastions, voire des OR-14. Ouais, un peu de tout, quoi. Je peux le dire, hein, ça va vite, hein. Hop. Oui. Et un bastion. Voilà. J'espère que ce sera pas Jarbatronix pour vous, hein, de me voir sauter dans tous les sens et de voir ça. Pour moi, ça n'est pas, je vous rassure. Hein. J'ai pas l'air, mais je suis concentré, hein. C'est juste que j'en ai pas l'air. Je voudrais pas trop faire de la merde, quand même.
Voilà. Ça. Si on ne peut pas avancer le convoi. Ah, bien. Voilà. Donc ouais, un petit mode qui change bien de, du mode compétitif qu'ils ont mis. Bon après vous voyez, hein, c'est quasiment le même que celui d'Halloween. En celui d'Halloween, si je m'en souviens bien, ils avaient juste mis une porte à défendre. Oui, après il y a les héros qui apparaissaient avec... il y avait qui en héros? Il y avait Jackal qui était, je sais que c'était le méchant, le boss. Il y avait Chopper qui était dans le rôle de Frankenstein, Ange dans le rôle de la sorcière, enfin bref. C'était assez sympa aussi, mais il n'y avait pas ce côté un peu historique d'Overwatch, quoi. Et c'est vrai que du coup, ça m'attire beaucoup plus. Parce que je suis un grand fan de l'histoire d'Overwatch. Derrière mon bouclier, plutôt. Ah vraiment? Merci pour cette preuve de confiance. Ouvrez vite cette porte, les niveaux d'énergie atteignent un seuil critique. Donc ouais, je suis un grand fan et voir enfin un mode où on joue le passé d'Overwatch, moi ça me fait kiffer à fond, quoi. Moi j'attends la grosse BD qui sortiront, quoi. Un de ces quatre peut-être. Faut espérer. Merde, le petit dans le vent. Faites-en votre priorité, éliminez-les. Ah, t'es marrant, toi. Éliminez toutes les troupes du secteur géant. Ah merde. Désolé. Ah oui, par contre, oh, j'ai plus les trous. Le bonheur. On peut aller où on veut. Ah, il n'y a plus qu'une. Ah non. Ah, une arche, je te l'ai. Ah, un coéquipier. Bon, bah, je peux tenter de le sauver. C'est pas grave. Et voilà. Oh, un coffre en plus. Si c'est pas la classe. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Oh, première fois que j'ai pas le... le temps fort. Qu'est-ce qu'il nous a fait, petit drain? Petit tambourne. Ouais. Donc c'est la tour à le café, quoi. Ouais, mais c'est ça. C'est ça, le tambourne. T'appuies sur A et puis c'est bon. Ouais. Est-ce que du coup, on a les trois étoiles? Oui, les trois étoiles. Allez. Toujours récompenser les heals, c'est lui qui gagne le plus. Pas. Enfin voilà, c'était la présentation du nouveau mode de Overwatch qui me fait mais kiffer, quoi. 150 Omniac, ah, c'est pas mal, c'est un coup de grâce 95. Vous, c'est pas mal. Et en plus j'ai gagné encore, ça c'est bon. Donc voilà, c'était la présentation de. Je me répète, hein. Non, je me répète, hein. Faut que j'arrête. Hein. Voilà, voilà. Bon, bah du coup, qu'est-ce qu'on fait? Je vous le montre ou je vous le montre pas? Ou dans une autre vidéo, je sais pas. Voilà. Bon, allez, si je vais vous le montrer, je fais juste un petit... je coupe juste 30 secondes et je reviens. Allez. Alors, les amis, et nous voilà, on va ouvrir les 11 coffres généreusement... dont un généreusement offert par Overwatch. Et dont 10 que j'ai acheté, hein. Mais avant ça, il faut savoir que j'ai acheté d'autres, hein. Je suis un pigeon. Un gros pigeon, oui, oui, vous pouvez le dire. Enfin bref. Allez, ouverture. Qu'est-ce qu'on va avoir? De la merde. Et ça, je l'avais pas. Non, bon, c'est pas grave. Allez hop. Ah. Une nouvelle emote. Allez, on la prend. Je vais jouer du marteau. Et le 8 plus que 8
8, 8, 8. La sélection naturelle. Bleu roi. Oh, c'est vrai que c'est un joli bleu. Pauvre Reinhardt. Allez hop, suivant. Mais me filez pas des trucs que j'ai déjà. J'en ai tué pour moins. On s'en fout que t'en as tué pour moins que ça. Oui, ça m'en veut plein. 150. 500. Si tu ne changes pas de direction, tu... Rien de ce que je veux. Du jaune. Donnez-moi du jaune. Oh, le petit Genji. Hein, je le prends sûr. Lucio. T'as bien. Allez, un seul jaune au moins. Non, non, du violet, je ne tapais que du violet. Je l'ai déjà celui-là. Bande de saleté. Effie ne va pas être content, on s'en fout. Ah! Ah! Et putain! Bon, c'est bien quand même, hein, mais non. Non, non, ça me va pas, moi. Moi, j'en veux. Je veux au moins 3000. C'est pas 3000, au moins un costume quoi. Ah! Oui! Ça c'est bon ça. Oui, Tobion avec sa main. Avec encore son bras. Ça fait tellement, bizarre de le voir avec son bras pour moi. Voilà. C'est bon ça. Me va si bien. Et encore deux coffres. Et non. Faut toujours rire. Et boum, pas d'autre. Malheureusement, pas d'autre. 50. Okay. Donc voilà, j'ai ouvert mes coffres, comme vous avez pu voir. Donc oui, bah celui-là, je l'ai pas eu. J'aurais bien aimé l'avoir. Mais oui, je ferai... je ferai rien du tout. Voilà, le plus, c'était la fin de la vidéo. Hein. Ok, maintenant je vais... me coucher, peut-être. Ou je sais pas, je verrai bien. Bon, allez, au revoir. Et n'oublie pas de guetter la chaîne. Ciao. Heureux les amis, oui, j'ai oublié. Les jeunes coqs mangent 13 à la douzaine au petit déjeuner. Oui, voilà, oui, bah, c'est pour... d'accord, voilà. Et tu dis, voilà, et tu dis ce que tu veux. Donc oui, c'était pour montrer les nouveaux costumes de l'event, pour cet event, et que j'avais dit que je vous montrerais peut-être, mais que je vous ai pas montré. Donc du coup, je vais vous les montrer en petit montage, pour la peine. Donc voilà, le premier costume que je vous présente, celui-là de Ange, qui est vachement bien. Et ce que j'aime bien, c'est qu'avec la nouvelle mise à jour, ils ont mis un petit descriptif à côté de l'époque à quand correspond le costume et de qui est la personne, en l'occurrence. Donc, le médecin, militaire, Ziegler, Nanani, Suisse, fait pas chier, voilà, paye pas les taxes. Ben voilà. Donc, ça, c'était le premier que. Hop, ils sont foutus là. On vient ici. Voilà, le premier costume que je trouve sympa. Allez, suivant. Donc, nous avons Bastion, évidemment. En méchant qu'on tue depuis tout à l'heure, vous avez dû les voir dans le secteur 0 à King's Row. Voilà, tout simplement. Avec toujours son oiseau, on sait pas pourquoi il est là, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Donc, l'une de mes. Ouais, ma préférée en fait. Ma préférée, voilà. C'est juste Fatal quoi. Fatal en mode griffe. Que je. Mais j'adore ce. Non, pas en noir. J'ai ou griffe. Voilà, j'adore ce costume. Franchement là, ça fait longtemps que j'avais pas vu un costume pour Fatal. Et ça fait du bien quoi. Non, vraiment classe. Mais j'ai les boules de pas voir celui-là. Je sais, j'ai pas préco. Enfin bref, voilà, celui-là, ce costume vraiment génial. Et en plus elle est bonne dedans. Et celui-là de Genji qui est vraiment vraiment bien. Ouais, celui-là aussi il me plaît bien. J'avoue que j'aurais bien kiffé l'avoir. Peut-être plus tard, on sait pas, on verra bien. Parce que de tous les costumes, je crois même le Oni, ouais, il me plaît pas. De tous les costumes qu'il y a, c'est vraiment le seul qui me plaît, quoi, encore. Tous les autres me plaisent pas, mais celui-là, non, vraiment. On voit enfin. Bah, je sais pas si c'est vraiment ce qui lui reste d'humain, ça. Mais ça pourrait, hein. Là, on voit pas. Non, par rapport à son corps comme ça, on voit pas spécifiquement ce qui lui reste. Dans la vidéo avec son frère, on voit ce qui lui reste les yeux, à peu près. Mais là, au moins, on voit un peu plus, quoi. Bon, on voit qu'il ne reste pas grand chose, mais il a fait la paix avec son corps. Voilà. Suivant. McCree ! Eh oui, évidemment, notre McCree en mode Black Watch,
qui a vraiment une gueule de Wolverine dans celui-là, je sais pas pourquoi, mais il me fait trop penser à Wolverine. Avec sa ceinture de M. Bison, hein, Michel Bison, voilà. Il est présent. Non, non, franchement, un bon petit McCree, hein, comparé au classique. Voilà. Voilà. Non, non, j'aime bien ce McCree aussi, il faudrait que j'essaie de l'avoir. Très... par contre, très sombre, quoi. Ouais. Bien, bien un peu plus de couleur. Quand on regarde le mode normal, voilà, quoi. Là, c'est un vrai Clint Eastwood. Un pur, un vrai. Tandis que là, c'est un... Bah, c'est un Wolverine un peu raté, quoi. Mais qui reste classe. Donc, oui, voilà. Voilà, voilà. Le nouveau personnage, Orisa, créé par une petite fille de 11 ans qui me fait... Mais ça fait... Enfin, voilà, c'est complètement what the fuck. Mais bon, bref. En tant que nouvelle arrivée, a droit aussi à son petit nouveau costume. Qui est ben, celui-là d'un OR-14, hein, qu'on a buté dernière partie de l'event de Kickflow. Donc voilà. Tout, ouais, je la trouve pas plus... voilà, Orisa qui t'a acheté à avoir un costume, moi je préfère avoir celui-là. Là, la fibre de carbone noir ou blanc. Hein. Ça, il ne change pas. Contrairement à ceux-là qui sont ben, bof, quoi. C'est juste des drones d'insectes. Donc du coup, ouais, celui-là je le mets dans le même secteur, bof. Quoi. Sympa, mais... voilà, si vous voulez, OR15, voilà. Bon, bref. Non, je préfère encore celui-là ou celui-là. Oui, voilà, notre fameux Reinhardt en mode ancien temps. Voilà, tout simplement, avant, pendant Overwatch, quoi. Ça change pas beaucoup, en fait. Il y a trois personnages, deux personnages où c'est juste un violet, c'est-à-dire, je sais pas, je crois que les jaunes, c'est les rares, et les violets, c'est peu commun, enfin bref. Et donc ouais, c'est juste un différencier de coloris par rapport à celui-là. Voilà, hop, celui-là. Parce que je crois qu'en plus, je dis pas de conneries. Ou même pas, c'est une... Non, même pas, c'est... Voilà, voilà. Différence de coloris. Enfin bref, voilà. C'est une différence de coloris, je le sais, je me répète, j'ai dit trois fois, mais bon. Peut-être quatre, même. Mais voilà, il est sympa quand même. Il reste sympa, mais sans plus. Par contre, là, la tête de lion, elle ressort bien, quoi. Et voilà, le dernier costume. Il me semble, hein, si je dis pas connerie, je crois que je vous ai montré tous, c'est le dernier à vous montrer. Donc celui-là de Tracer, qui pff, je sais plus quoi. Retourne-toi, s'il te plaît, voilà. Voilà, qui me fait penser à Camille de Street Fighter, peut-être à cause du petit béret, je sais pas. Mais j'aime bien, bon choix de costume, franchement, ils sont pas loupés. Bah de toute façon, pour moi personnellement, Blizzard, du côté d'Overwatch, ils sont pas beaucoup ces derniers temps. Hein. Après, nous avoir pondu Orisa alors que il nous avait montré d'autres trucs qui étaient d'ailleurs plus intéressants, me fait un peu chier, mais j'aime bien Orisa, donc ça passe. Mais voilà, je trouve qu'il se lève pas beaucoup. C'est pas bien. En même temps, vous me direz que c'est pas bien compliqué. Hein, mais non, plaisant, surtout ce event. Vraiment plaisant. Donc voilà, donc je vous montre pas tous les nouveaux dialogues, tous les nouveaux tags, ça se prendrait des plombes, et j'ai pas envie de faire une vidéo des plombes, hein, ok. Je peux pas me casser les couilles. Mais voilà. Donc ouais, je rajouterai cette petite section à la dernière vidéo, comme ça, vous aurez tout dans ce bloc. Allez, ciao!